Merci, merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Un seul titre pour cette édition. L'armée malienne a 63 ans ce 20 janvier. 63 ans de combat et de sacrifices pour préserver l'intégrité territoriale du Mali et protéger la population. L'anniversaire a été marqué ce matin à Bamako par une prise d'armes au génie militaire en présence du chef suprême des armées. Même exercice à l'intérieur du pays. Et retour sur l'adresse du président de la transition qui salue l'engagement et la bravoure des forces armées maliennes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. Aujourd'hui, 20 janvier, l'armée malienne célèbre donc ses 63 ans. À cette occasion, le président de la transition s'est adressé hier soir à la nation. Dans son adresse, il a rendu hommage à notre outil de défense pour ses efforts dans la pacification du pays. Pour le colonel Assimi Goïta, tout sera mis en œuvre pour consolider les acquis. Je vous invite à suivre l'adresse présidentielle. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, le 20 janvier 2024, notre peuple, en communion avec nos forces de défense et de sécurité, célèbre le 63e anniversaire de la création de notre armée nationale. À cette heureuse occasion, il me plaît de saluer la mémoire combattante du président Mourbo Keïta et de ses illustres compagnons civils et militaires qui, en véritable visionnaire, ont forgé une armée nationale pour soutenir le processus d'émancipation du pays, assurer la défense du territoire ainsi que la protection des populations et des intérêts vitaux de la République naissante du Mali. Depuis cette date, les forces de défense et de sécurité, garants de la tradition et de la modernité, écrivent les pages les plus glorieuses de notre histoire contemporaine, au prix d'énormes sacrifices. Je voudrais saluer en cette circonstance la mémoire de nos défunts frères d'armes tombés au champ d'honneur et retirés à leur famille ma solidarité et ma compassion. Aux blessés parmi nous, j'adresse mes vœux de prompt rétablissement et exprime une pensée pieuse aux otages militaires et civils. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, la commémoration de la fête de l'armée, qui est un des symboles fédérateurs de notre peuple, aura lieu cette année sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Vous vous rappelez qu'à l'occasion des Assises nationales de la Refondation et de la grande mobilisation du 14 janvier 2022, désormais commémorée comme la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le peuple avait exprimé comme priorité absolue la reconquête de l'intégrité du territoire, le rétablissement
de la paix, de la sécurité et la stabilité dans le pays. Cette mission que de nombreuses voix considérées comme étant au-dessus de nos moyens est aujourd'hui presque entièrement accomplie par nos forces de défense et de sécurité avec nos ressources propres et dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ce succès, faut-il le rappeler, résulte de l'application rigoureuse dans les plans d'action du gouvernement de la volonté politique largement exprimée par le peuple malien. En plus de la poursuite des réformes indispensables engagées au profit des forces de défense et de sécurité, les efforts du gouvernement ont porté, d'une part, sur l'accroissement des capacités opérationnelles à travers l'augmentation des effectifs et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. D'autre part, par l'acquisition d'équipements au profit des armées et services pour la préparation et le maintien en condition opérationnelle des troupes. Ainsi, 2023 a vu la consolidation des recrutements ordinaires et spéciaux, de même que le lancement de nouvelles vagues de recrutement dans toutes les branches des forces de défense et de sécurité. En parallèle, les programmes de formation, d'entraînement et de préparation opérationnelle des forces ont été adaptés au contexte. Le renforcement des capacités aériennes et terrestres a été assuré par la dotation des FAMA en plusieurs véhicules tactiques de combat, engins blindés, avions, hélicoptères et drones, en mettant l'accent sur l'aptitude à opérer en autonome. La réussite de la sécurisation du référendum du 18 juin 2023 et de la Biennale artistique et culturelle à Mopti en est une illustration. Le renforcement des infrastructures a connu un essor particulier avec l'ouverture de sentiers, des camps militaires dans les localités de Boukouni, Kita, Djema, San et Kouchala, et avec la fortification des emprises sur le théâtre des opérations. De plus, le démarrage de la construction des logements au profit des forces de défense et de sécurité, ainsi que la revalorisation des états-majors par la mise à disposition des postes de commandement ultramodernes, contribue à l'amélioration du cadre de vie des hommes et de leurs familles, de même que leurs conditions de travail. L'inauguration prochaine de l'hôpital militaire de Banakoro est un atout essentiel et un témoignage de notre profonde gratitude envers nos militaires blessés, mais aussi constitue une opportunité pour nos compatriotes qui bénéficieront des soins de qualité tout en réduisant les évacuations sanitaires au coût exorbitant. La militarisation de la police nationale et de la protection civile a été une des réformes déterminantes dans la transformation du corpus doctrinal des forces de défense et de sécurité. L'adoption du statut de la réserve et d'autres textes sur les armées et services s'inscrivent dans cette dynamique qui vise à harmoniser et à fortifier la doctrine d'emploi des forces, tout en garantissant une disponibilité accrue et une capacité de mobilisation à la hauteur du défi. Je voudrais saisir l'occasion qui m'offre la commémoration des 103 ans de notre armée pour réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de la transition de maintenir à un niveau élevé les efforts engagés en faveur de la défense et de la sécurité. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, le résultat acquis nous rappelle l'héritage des pères fondateurs de notre nation et le sacrifice des milliers d'hommes, de femmes, civils et militaires qui se sont vaillamment battus pour que notre pays soit ce qu'il représente aujourd'hui, un pays libre et souverain. Ancré dans ses valeurs morales, spirituelles et socioculturelles, avec des communautés interdépendantes qui vivent dans la diversité et en harmonie. À cet égard, la fête de l'armée demeure pour notre peuple un exercice de souvenirs essentiels destinés à pérenniser notre glorieux passé, afin que les sacrifices consentis restent toujours vivaces dans la mémoire collective des Maliens. C'est également une occasion toujours renouvelée pour notre peuple
de témoigner sa reconnaissance à nos forces de défense et de sécurité pour leurs combats et leurs sacrifices qui ont abouti à la libération de la patrie. C'est donc légitimement que je voudrais, au nom du peuple malien, exprimer ma satisfaction, ma fierté et mon soutien total à nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement patriotique et leur professionnalisme dans la conduite de leur mission au service de la nation. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, notre pays sort lentement, mais progressivement de cette longue crise multidimensionnelle qui a profondément affecté tous les segments de notre société. Au regard de l'ampleur du phénomène du terrorisme et en raison de son caractère transfrontalier, l'Alliance des États du Sahel concrétise notre fraternité d'armes avec le Burkina Faso et le Niger face à un ennemi commun. Dans un cadre intégré, formel et permanent, elle facilite la coordination et la gestion des actions militaires et sécuritaires par la mutualisation des moyens avec comme état final recherché la conduite et la poursuite efficiente des opérations conjointes. C'est le lieu de saluer la vision et l'adhésion entière de mes homologues et frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à cette initiative historique. Au-delà du retour de la paix et la stabilité du pays et de ses institutions, le défi majeur pour nous reste aujourd'hui la refondation de l'État, ce vaste et ambitieux chantier du gouvernement de la transition est une œuvre de conviction, un idéal qui doit structurer le comportement au quotidien de chaque citoyen. Sa réalisation ne sera possible que dans un environnement apaisé et sécurisé. Elle renvoie fondamentalement aux missions des forces de défense et de sécurité, toutes choses qui justifient largement la primauté accordée à la composante défense et sécurité dans les plans d'action gouvernemental. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, les succès tactiques et opérationnels réalisés par les forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations ont permis à notre pays de commencer à rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. En somme, le contexte spécifique de notre pays exige la poursuite de l'opération Malico en coordination avec les autres initiatives de stabilisation dans le centre et dans le nord pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre d'une approche globale de la crise multidimensionnelle que nous traversons. Cette posture nécessite, dans la détermination et dans le professionnalisme, le redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité sur le territoire national. Je voudrais à cet égard saluer la promptitude de la hiérarchie militaire et le courage des hommes engagés qui, à travers les différentes opérations initiées dans le cadre de Malico, ont obtenu des résultats incontestables. Il s'agit entre autres de l'opération Keletiki, orientée vers la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes, de l'opération Tilekura pour la sécurisation du processus électoral et récemment de l'opération Dugukuluku pour la finalisation du redéploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira donc de consolider les acquis dans la perspective du développement et du maintien des capacités opérationnelles autonomes avec la mutualisation des moyens de l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour faire face aux menaces intérieures et transfrontalières. Je ne saurais terminer sans vous adresser mes félicitations et encouragements pour les victoires présentes et futures. C'est sur ces notes d'espoir que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Vive les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Ensemble, nous ferons les Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Nous serons tous réunis.
C'était à l'instant l'adresse du président de la transition à l'occasion de la célébration du 20 janvier 2024. L'événement a été marqué ce matin à Bamako par une prise d'armes au 34e régiment du génie militaire sous la présidence du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui a remis un chèque géant de plus de 6 milliards de francs CFA aux familles des soldats tombés pour la défense de la patrie. Mais avant, certains militaires avaient reçu des distinctions pour leur engagement et bravoure. Un acte suivi d'un défilé des différentes unités de l'armée et d'une parade des avions. Une cérémonie que vous avez d'ailleurs suivie en direct sur nos antennes. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporters présents au génie militaire. Direction CAI, où les éléments de la zone de défense numéro 4 ont célébré l'anniversaire de la création de l'armée malienne au camp Mamadou Lamine Dramé. Au menu, un défilé civilo-militaire suivi d'une présentation d'engins à la population et aux autorités régionales. C'est ce que nous raconte depuis la cité des rails, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument dédié aux martyrs à l'entrée du camp Mamadou Lamine Dramé par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de CAI pour ainsi donner le ton de la célébration des 63 ans d'existence de l'armée malienne. Une célébration qui se passe dans un contexte où le pays a recouvré l'ensemble de son territoire après la reprise de Kidal le 14 novembre 2023. Un exploit rendu possible grâce au sacrifice des forces armées maliennes. Colonel Modibo Kane Togola, commandant de la zone de défense numéro 4. C'est un jour de recueillement pour la mémoire de nos vaillants frères d'armes qui ont payé au prix de leur vie leur engagement patriotique pour la défense de l'intégrité du territoire national, de la création de notre institution à nos jours. Qu'il me soit permis ici de leur rendre un vibrant hommage. Aujourd'hui, la montée en puissance de notre outil de défense tant souhaité est devenue une réalité grâce à la clairvoyance, la volonté politique affichée et les choix stratégiques des autorités de la transition. Pour maintenir cette cadence, les autorités régionales appellent les populations à continuer d'accompagner les FAMA dans l'accomplissement de leur mission. Amadou Ndiko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de CAI. C'est de comprendre que l'armée est issue d'eux et sans information, sans collaboration et pour ne pas dire sans complicité, l'armée ne va nulle part. Elle a besoin forcément de sa population qui est derrière. Sa force se tire sans racine de l'accompagnement de cette population. Un défilé civilo-militaire et une présentation des engins des FAMA à CAI ont marqué cette cérémonie de célébration des 63 ans de l'armée malienne dans la cité des rails. CAI, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Dans la cité verte, les éléments de la zone de défense numéro 8 sont déterminés à poursuivre leur mission de sécurisation du territoire. Une détermination est réaffirmée ce samedi lors de la célébration de la fête de l'armée malienne au camp Tiaba de Sikasso. Le témoin est notre correspondant sur place, Moustapha Doumbouya. C'est dans un contexte de montée en puissance des forces armées maliennes que la 8e région militaire célèbre le 63e anniversaire de l'armée malienne. Une cérémonie marquée par la revue des troupes par la chef de l'exécutif régional, le dépôt d'une gerbe de fleurs sur le monument aux morts et un défilé civil et militaire. L'occasion est bonne pour le commandant de la zone de défense pour rappeler quelques actions en cours dans la région militaire. Colonel Djibril Kone, commandant de la 8e région militaire. Au niveau de la zone de défense numéro 8, les opérations Akilisigi, Dugu Koloshi ont permis de neutraliser plusieurs combattants affiliés à la Katiba d'Ansardine du Massina, Kayem, dans les localités de Tchere, Boura, Maou, Blendjo, Klela, pour ne citer que ceci. Et aussi récupérer des véhicules et motos enlevés par les groupes armés terroristes. Aussi les patrouilles nocturnes dans la ville de Sikasso. Le commandant de la région militaire numéro 8 a aussi rappelé la détermination des FAMA à poursuivre leur mission malgré le contexte parfois difficile. Une détermination saluée par l'exécutif régional qui salue les FAMA pour les résultats déjà obtenus. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Un grand merci pour les efforts consentis et pour leur engagement patriotique. Et je profite de l'occasion également pour saluer l'initiative des autorités des pays du Mali, du Niger, du Burkina pour la création de l'Alliance des États du Sahel qui pour moi peut être un cadre idéal pour l'atteinte des objectifs assignés. Et je félicite au nom de toute la population de la région de Sikasso, nos forces de défense et de sécurité pour les victoires passées.
présente et future. Le commandant de la zone de défense numéro 8 a remercié les partenaires régionaux pour les appuis aux femmes, aux veuves et aux orphelins des militaires. Parmi ces partenaires figure l'opérateur économique Yaya Sanogo de Gourala qui offre chaque année 1 million de francs CFA aux femmes. Le président de la délégation régionale du Conseil malien des chargeurs a aussi remis une enveloppe à la région militaire. Sikasso, Mustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Même exercice à 100, la population de la région s'est fortement mobilisée ce matin pour exprimer son soutien à notre outil de défense. Avec sa tête, le gouverneur de région qui a rendu hommage aux forces armées maliennes pour la reprise de la ville de Kidal. Drissa Kone nous en parle. Chant de gloire et de fierté, oui, la dignité du peuple malien est bien rétablie par votre détermination. C'est ce 63e anniversaire de notre vaillante armée est célébré sous le regard des Sanois plus que jamais confiants en leur outil de défense. Salut au drapeau, revue des troupes, suivi de la montée des couleurs. Commandant Mamadou Benke Samake, porte-parole des forces de défense et de sécurité des Sang. L'armée est engagée actuellement sur plusieurs fronts, qu'il s'agisse de la défense et de l'intégrité du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens, la sécurisation des grands chantiers de développement de notre pays. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région des Sang. En regardant ces jeunes-là passer tout de suite, ça réveille les vieux souvenirs. Je comprends leur joie. Après des rudes épreuves passées sur le terrain et ayant eu un résultat, c'est-à-dire le retour de l'armée malienne à Kidal, Tessalit, Anéfis, et plein d'autres points. Le défilé des différentes forces en présence est acclamé par le public venu en nombre. La présence à leur côté des épouses et des porteurs d'uniformes, les anciens combattants, la confrérie des chasseurs, les pionniers. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région des Sang. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, ayant fait le terrain, ayant constaté tout mis en œuvre pour mettre à la disposition l'armement nécessaire pour combattre et voilà que l'ennemi a été mis en déroute. La fête a été bien agrémentée par les danses du terroir. Sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Dans la cité des 333 saints, les 63 ans de l'armée malienne ont été marqués par un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument des martyrs, un défilé militaire et la remise des distinctions à certains militaires. Occasion pour le commandant de la région militaire numéro 5 d'inviter ses hommes à plus de vigilance et de rigueur, à la population plus de soutien et de collaboration. De Tombouctou, une correspondance d'Idrissa Gouloussi-Sogo. La revue des troupes, dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts par le chef de l'exécutif régional ont marqué le démarrage des festivités du 63e anniversaire de notre armée au camp Fort Cheikh Sidi Bekay de Tombouctou. Colonel Seydou Bassirou Niangado, commandant la région militaire numéro 5. Voulant d'une souveraineté totale, le président Keïta demandait, après la création de l'armée malienne en octobre 1960, le départ des troupes françaises du territoire national. Le dernier soldat français quitte le territoire national le 20 janvier 1961, consacrant cette date comme fête de l'armée malienne. 61 ans après, de jeunes officiers avec à leur tête son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, demandent à leur tour le départ des forces françaises Barkhane, Takuba et de la MINUSMA. Aujourd'hui, encore comme en 61, l'armée malienne, sur les traces de ces prestigieux devanciers, ne cesse de se former et de s'équiper pour booster hors de ses frontières toutes les forces du mal et garantir la paix. Ensuite, le public a assisté au défilé des troupes composées de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale, de la protection civile, des services pénitentiaires, de l'armée de l'air et de l'armée de terre. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. Nous célébrons le 20 janvier avec une fierté inouïe, avec une reconnaissance renouvelée à nos femmes qui se sacrifient au quotidien pour que nous soyons là, pour que nous vaquions à nos affaires. L'engagement au sacrifice ultime de nos femmes nous permet d'avoir la victoire sur l'ennemi. La cérémonie a été mise à profit pour remettre des médailles de mérite militaire, de campagne et des lettres de félicitations à certains militaires qui se sont distingués par leur courage sur le théâtre des opérations. Il faut signaler que la région militaire numéro 5 couvre les régions de Tombouctou et Taoudéni. Tombouctou, Idrissa Gouloussi-Sogo, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Oui, et d'autres reportages sur les 63 ans de l'armée malienne à suivre dans nos futures éditions.
Sur la scène internationale, en République démocratique du Congo, le président réélu Félix Tshisekedi prête serment ce samedi devant une vingtaine de chefs d'État. Selon la présidence congolaise, il s'agit de l'investiture ayant accueilli le plus grand nombre de dirigeants étrangers depuis l'indépendance du pays. La cérémonie d'investiture est prévue au Stade des Martyrs, la plus grande infrastructure sportive de Kinshasa. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine désigne l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo comme médiateur dans la crise entre l'Éthiopie et la Somalie. Les relations entre ces deux pays voisins se sont détériorés depuis la conclusion d'un accord entre le Somaliland et l'Éthiopie le 1er janvier dernier. Cet accord accordera à l'Éthiopie le contrôle d'un port en mer Rouge et d'une base militaire. La Somalie dit se préparer à recourir à la guerre, faisant planer une menace sérieuse sur la stabilité régionale. Ces deux nations ont déjà connu des conflits armés, notamment en 1977 pour un territoire contesté et en 2006 lorsque l'Éthiopie est intervenue en Somalie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame à partir de ce dimanche une mission diplomatique en Afrique. Il se rendra dans quatre pays, à savoir le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. Les discussions avec les dirigeants des différents pays porteront sur des questions cruciales telles que la sécurité régionale, la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et le renforcement des échanges commerciaux. L'Afrique du Sud s'oppose à la vente aux enchères des biens de Nelson Mandela. Il s'agit de 70 objets personnels ayant appartenu aux défunts héros anti-apartheid. Parmi ces biens, on retrouve un ensemble d'appareils auditifs, sa carte d'identité, des présents offerts par les dirigeants mondiaux, ainsi que certaines des emblématiques chemises Madiba portées par le premier président démocratiquement élu. La fille aînée de l'ancien président sud-africain serait à l'origine de cette vente aux enchères programmée aux États-Unis. Le gouvernement sud-africain maintient sa position selon laquelle ces objets sont la propriété de la nation. Enfin, le 19e sommet du mouvement des non-alignés qui se tient en Ouganda, les dirigeants africains critiquent Israël pour son offensive militaire sur la bande de Gaza et ont appelé à un cessez-le-feu. Le président ougandais Yoweri Museveni, hôte du sommet, a exhorté les dirigeants du monde à faire respecter les droits humanitaires internationaux et à garantir les libertés et les droits fondamentaux de tous les peuples. Sport, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles du Mali font leur deuxième sortie ce soir à partir de 20h contre la Tunisie. Si les Maliens jouent pour leur qualification en 8e de finale, les Tunisiens, quant à eux, ont leur survie entre les mains. Déjà, les Cap-Vert et le Sénégal ont obtenu hier leur ticket. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famou Diourti. Les Aigles du Mali affrontent ce samedi les Aigles de Carthage de la Tunisie. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée du groupe E. Une victoire malienne dans ce match est synonyme de qualification en 8e de finale, alors que de l'autre côté, une défaite compromettrait sérieusement la chance de qualification des Tunisiens. D'un côté comme de l'autre, les acteurs sont conscients des enjeux du match. Devant la presse ce vendredi, ils se sont prononcés sur ce match. Les différentes déclarations dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Foutki Tunkara, Aridjou Matina, Abdoul Salam Bambara, Aruna Diara et Hamal Andouré. Veille des matchs pour les Aigles du Mali qui affrontent ce samedi les Aigles de Carthage de la Tunisie au compte de la deuxième journée du groupe E de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La séance d'entraînement de ce vendredi au lycée Dominique Ouattara était ouverte à la presse pour les 15 premières minutes, comme l'exige le règlement de la CAF. Le technicien Eric Sekuchel et ses poulains qui se déploient en atelier sont venus tester leur mise en place en vue de cette rencontre qu'ils ne prennent pas du tout à la légère. Eric Sekuchel, sélectionneur national des Aigles du Mali. Aujourd'hui, on s'attend à un adversaire qui est de très grande qualité. Ils ne sont jamais autant dangereux quand ils sont entre guillemets dos au mur. On s'attend à un match très disputé. Face à une équipe tunisienne en danger de mort, avec surtout les couteaux sous la gorge, après sa défaite 1-0 de la première journée contre la Namibie, Eric Sekuchel et ses protégés doivent bien savoir que la Tunisie ne viendra pas avec la fleur au fusil. Jalel Kadri, sélectionneur national des Aigles de Carthage de la Tunisie. Nous les connaissons et eux aussi nous connaissent. Donc pour ce fait, nous considérons que c'est l'une des meilleures équipes qui sont présentes ici. Nous sommes demandés à répondre sur le plan intérieur pour que nous pouvons, si Dieu le veut, nous allons être au bon niveau pour donner une réponse positive, Inch'Allah. C'est choc, Mali-Tunisie, deuxième journée du groupe E de la CAN Côte d'Ivoire 2023, promet des étincelles entre des aigles qui ne se feront certainement pas de cadeaux dans cette retrouvaille, compte tenu des récents antécédents. Kourougo, Foutigui Tunkara, Ardu Matina, Abdoul Salam Bamara, Aruna Diara, Amal Andouré pour l'ORTM. Deux rencontres précéderont aujourd'hui le choc Tunisie-Mali. Pour la deuxième journée du groupe D, l'Algérie affrontera le Burkina Faso à 14h GMT au stade de la paix à Bouaké.
L'Algérie, championne en 2019, cherche à se ressaisir après un début de tournoi décevant marqué par un match nul 1-1 contre l'Angola. Le Burkina Faso, de son côté, a démarré avec une victoire 1-0 contre la Mauritanie. La rencontre Algérie-Burkina Faso sera suivie à 17h par celle qui mettra aux prises la Mauritanie et l'Angola. Il s'agit de la cinquième confrontation entre ces deux équipes et la deuxième lors d'une CAN. L'Angola a concédé 6 matchs nuls lors de ses 6 dernières rencontres, tandis que 2 des 3 derniers matchs de la Mauritanie se sont soldés par des scores de parité. Les deux confrontations précédentes entre ces deux nations se sont terminées sur un score nul vierge, dont l'une lors de la CAN précédente. 3 autres matchs étaient au programme ce vendredi, toujours au compte de la deuxième journée des rencontres de poule. Dans le deuxième match de la deuxième journée du groupe B, le Cap-Vert a signé sa seconde victoire contre le Mozambique 3-0. Avec 6 points, il pointe donc à la première place qu'il valide définitivement. Le Cap-Vert devient en même temps la première équipe officiellement en 8e de finale. Le choc des cadors dans le groupe C entre Camerounais et Sénégalais a tourné en faveur du Sénégal. Les Lions de la Teranga ont dompté les Lions du Cameroun 3-1. Les Sénégalais ont reçu une première victoire éclatante contre leur bête noire en CAN pour la première fois depuis 1990 à Annaba en Algérie. Sadio Mané et compagnie marquent le pas et décrochent leur qualification pour le 8e de finale. La Guinée s'est relancée face à la Gambie en gagnant par 1-0. Le Sélé national compte 4 points derrière le Sénégal 6 points. Troisième dans le groupe C avec un petit point, le Cameroun devra batailler fort contre la Gambie pour valider son billet lors de la troisième journée. Quant aux Scorpions de la Gambie, avec 2 défaites, ils sont quasiment éliminés de la course à la qualification pour la 8e de finale. Un mot des championnats nationaux de Ligue 1 de football avant de terminer. La 14e journée a démarré ce vendredi et se poursuit ce samedi avec 3 affiches. Il s'agit des oppositions du Libassé Afrique Football Elite, ATS de Koro AS Real et Binga FC Club Olympique de Bamako. Toutes ces rencontres débutent à 15h45. La 14e journée se poursuivra ce dimanche avec 4 autres rencontres. En ouverture ce vendredi, l'AS Black Star et l'US Bougouni ont fait match nul 1-0. Le match Mali-Tunisie est à suivre à partir de 20h sur ORTM 1, la chaîne 2 et la radio nationale. Point final à cette édition, à la mise en ligne, Sekou Traoré aux manettes Alimata Ouattara. Devant ses micros, Brahma Traoré, Mohamed Sangaré s'installe après moi pour la synthèse de l'actualité dans nos régions. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio en notre compagnie.